Deuxième édition du forum Prévision d'APAV, un forum sur la sécurité dans les murs du centre de formation de Saint-Priest, devant plus de 250 invités. Une journée particulièrement riche qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et sérieuse à la fois. Dès 9h30, la matinée a débuté avec l'accueil des convives par le directeur général d'APAV Sud-Europe. Ce forum a du sens pour nous. Pour le comprendre, il faut se rappeler que nous sommes nés, il y a bientôt 150 ans, de la volonté de nos clients de ne plus avoir d'accident. Et depuis 150 ans, anticiper et maîtriser les risques, c'est notre métier, notre passion. Cette passion, nous aimons la partager. Devant un public attentif, c'est ensuite Yves Parlier, le grand navigateur français à la réputation internationale, qui est venu partager ses expériences. La sécurité de chacun dépend des autres, à cause des manœuvres de voile qui peuvent soit vous blesser, soit vous éjecter à l'eau. Et on doit assurer la sécurité de son équipage. Pour le multiple vainqueur de courses aussi prestigieuses que la Route du Rhum ou la Solitaire du Figaro, la sécurité ne s'improvise pas. J'ai pris conscience des dangers et des risques que j'avais pris. Et je me suis, à partir de cette expérience, que ce soit pour les courses en solitaire ou en équipage, quelque part obligé à prendre beaucoup de recul en amont, avant, à terre, pour préparer mes courses et mes bateaux pour rendre les choses plus sûres. Autre temps fort de la matinée, la table ronde avec un expert et des clients d'APAV. Le thème de cette année, la sécurité des intervenants extérieurs. C'est-à-dire que la relation avec l'entreprise extérieure, elle commence à l'expression du besoin pour l'entreprise dite utilisatrice. Elle continue au travers de la manière dont on va consulter cette entreprise utilisatrice. Elle, bien évidemment, elle se formalise par une analyse immédiatement avant l'intervention. Là encore, le public a réagi et livré ses interrogations. La fin de matinée est vite arrivée. C'est un moment quelque peu particulier qui vient poursuivre ce forum. La remise des trophées Ernest Zuber, du nom du fondateur d'APAV. 5 trophées ont été décernés à des clients qui se sont distingués dans des catégories telles que le développement durable ou l'innovation. À 12h30, le cocktail déjeunatoire débute. C'est l'occasion pour chacun de nouer des contacts et d'échanger ses impressions. Moi, je voulais, en tant qu'auto-entrepreneur, prendre toute la conscience de ce qui m'attendait aussi derrière, parce que des fois, on va dans des sociétés où, justement, ils n'ont pas cette conscience-là. Et comment leur faire prendre conscience quand on est juste tout seul face à eux? Ça m'aide beaucoup de voir qu'est-ce qu'il y a comme laboratoire, qu'est-ce qu'il y a comme matériel dans l'APAV, parce que c'est un centre qui est très, très connu. L'objectif, c'est de faire partager cette maîtrise de risque, de faire comprendre qu'on peut intervenir sans contraindre et proposer des solutions, mais pas nécessairement pour soi en interne, mais pour ceux qui interviennent pour nous et qui n'ont pas conscience des risques, pas conscience qu'on peut les maîtriser, et surtout que c'est obligatoire pour arriver à avoir une pérennité d'activité. L'après-midi est consacré à la visite du centre pour se faire notamment expliquer les différentes formations proposées. Dans le même temps, plusieurs ateliers, risque amiante, transition énergétique, gaspillage ou culture comportement sécurité par exemple. En tout, c'est 7 ateliers qui ont accueilli les convives. Les bureaux de contrôle et les bureaux d'études et de contrôle et d'assistance sont très très importants dans notre métier parce qu'ils sont nos béquilles. Parce qu'ils sont toujours à la pointe de la législation, alors que nous, des fois, on est un petit peu largués. Je dis un petit peu largués, non, on a des formations régulières, mais on ne peut pas tout connaître dans une seule agence. On a des gens plein d'enthousiasme et qui sont des gens très pointus et qui sont des très bons partenaires. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'appuie sur la PAV, on n'est pas déçus. Une journée réussie, riche en rencontres et en informations. Le centre de formation de Saint-Priest est le plus grand centre à PAV en France. Inauguré l'année dernière, il a déjà accueilli plus de 6000 stagiaires.